Bonjour et bienvenue dans Weari. Merci de nous rejoindre pour la suite et la fin de notre aventure ici au parc provincial de la Rivière Bleue. Alors ce matin, je me suis levé tôt pour entendre le chant des cagous. Figurez-vous que le seul moyen pour distinguer le mâle de la femelle, c'est son chant. Le cagou, oiseau endémique à la Nouvelle-Calédonie, est une espèce en voie d'extinction. Il souffre de la dégradation de son habitat naturel, la forêt humide. Depuis plusieurs années, des études scientifiques sont menées ici au parc provincial de la Rivière Bleue pour en savoir plus sur cet oiseau rare. Qu'avons-nous appris sur son comportement et ses habitudes? Est-ce que l'emblème du caillou est réellement en danger? Réponse avec Jean-Marc Mériot, un fin connaisseur du cagou. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Bonjour Cédric. Ça va bien? Ça va, impeccable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de faire une écoute matinale des cagous. Donc, en montant, je les ai entendus. Ouais. Et c'est qui commence à chanter en premier? Donc, c'est le mâle qui commence à chanter en premier. Si tous les individus de la famille ne sont pas regroupés à ce moment-là, le mâle va s'arrêter de chanter, les autres individus vont le rejoindre, et là, toute la famille va se mettre à chanter. Donc, et en principe, ils vont se percher sur un tronc d'arbre qui est couché au sol pour que le champ porte le plus loin possible afin de délimiter leur territoire vis-à-vis des autres familles qui se trouvent autour. D'accord. Plus ça va, mieux c'est. Voilà. Et généralement, c'est ceux qui sont près des rayons du soleil qui commencent à chanter? Alors ça, c'est une donnée que j'ai remarquée. En fait, ici dans la vallée de la Rivière Bleue, les premiers qui chantent sont effectivement ceux qui sont à l'entrée de la forêt, là où il y a le plus de luminosité. Et au fur et à mesure, les champs remontent, entre guillemets, dans la vallée. Et là, on écoute à peu près combien d'individus? Alors là, depuis ce matin, j'en suis au 13e individu recensé. Voilà. Depuis le bas Non, uniquement sur ce point-là. Ok. Voilà. Parce que là, donc, sur le secteur du parc, j'ai 20 points de recensement qui sont dispatchés sur l'ensemble des massifs forestiers du parc. Chaque point est écouté 3 jours consécutifs. Et pourquoi 3 jours et pas tous les jours? Alors, 3 jours parce que c'est une donnée qu'on a par expérience, en fait, parce que le cagou chante donc le matin au lever du jour, mais pas forcément tous les jours. Ah. Donc à partir du 3e jour, on considère qu'on a eu le maximum de chances d'entendre l'ensemble des individus qui chantent autour du point d'écoute. Okay. Donc c'est pas un recensement précis du nombre d'individus, c'est une estimation. Une estimation. Et depuis ton travail ici au parc, tu as recensé combien d'individus à peu près? Alors moi j'ai effectué un recensement en 2009-2010. Auparavant c'était mon prédécesseur qui s'en occupait, M. Yves Létocard. Mmh. On est parti en 1984, le premier recensement que Yves avait fait d'une soixantaine d'individus recensés sur le parc, qui étaient localisés dans une autre vallée, hein, derrière cette ligne de crête, la vallée du mois de mai. Ça, c'était donc en 84. À partir de là, il y a eu un programme de protection et de sauvegarde qui a été mis en place. Et les recensements suivants ont montré une progression de la population. En 1990, on avait environ 250 individus. Avec le programme de réintroduction également d'individus, on est passé en 99 à près de 450 individus. Et là, au dernier recensement que j'ai effectué en 2009-2010, on estimait la population à environ 700 individus. À l'heure actuelle? À l'heure actuelle. Ok. Quand tu me parles d'introduction, c'est-à-dire? En fait, c'est des oiseaux qui avaient été élevés en captivité, qui sont nés soit au parc forestier, soit chez des particuliers, qui ont été réintroduits dans le milieu naturel après une période de réadaptation dans un parc qui était situé dans la vallée du mois de mai, en pleine forêt. C'était un dispositif en fait, de renforcement de la population pour redonner de l'impulsion à la reproduction en milieu naturel. Ok. Il y en a un qui commence à chanter là en contrebas, du côté du Grand Kaori. On entend la phrase de démarrage qui est un coq, 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 coq. Ça y est. Ça c'est le mâle.
et une femelle en même temps. Ce qui permet de les différencier. Donc là, dans ce couple-là, on a la femelle qui a un chant légèrement plus aigu. Mmh. Donc c'est facile de les différencier. Mmh. Mais en principe, le chant et les tonalités du chant sont quasiment identiques. Mmh. Donc, ce qui les différencie vraiment, c'est la longueur de ce qu'on appelle la phrase. Le mâle a un chant qui fait entre 12 et 13 syllabes, alors que la femelle a un chant qui ne fait que 6 à 7 syllabes. Ok, donc pour te repérer, tu... C'est ce qui me permet de différencier les sexes. Mmh. Il n'y a plus un chant. Ça y est. Donc là, ils ont chanté à peu près de 6h15, voilà, il est 7h10. Et là, jusqu'à demain matin, on n'entendra plus un cagou. Ils s'arrêtent tous en même temps. Ils s'arrêtent tous en même temps. Tous ceux qui sont dans le même secteur, voilà, vont s'arrêter en même temps. Et là, ils vont passer leur journée à chercher à se nourrir. Et nous, on va les observer. Allez, je t'emmène, on va aller voir en forêt, essayer de trouver une famille pour pouvoir les observer. Ok. Allez. Et tout à l'heure, je te parlais du programme de protection, de sauvegarde du cagou qui avait été mené ici au sein du parc, ouais. Notamment par mon prédécesseur Yves Letocard. Mm-hmm. Et je te propose de venir le rencontrer. Ah, voilà. Cool. Okay. On a la chance, il nous rend visite aujourd'hui. Ouais. Bonjour Yves. Salut, bonjour. Bonjour. Ça va ? Je te présente Cédric. Bonjour, enchanté. Voilà, donc Yves Letocard qui a mené le programme de protection et de sauvegarde du cagou depuis le début des années 80 ici au sein du parc de la Rivière Bleue. Yves, c'est toi qui as commencé les premières recherches ici au parc depuis les années 1980. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé? Alors, quand j'ai commencé à travailler dans le parc de la Rivière Bleue, je me suis intéressé donc à étudier le cagou parce qu'on ne connaissait rien sur la vie du cagou à l'époque. Et donc j'ai étudié la vie du cagou et en même temps j'ai organisé la protection du cagou. Les cagous n'avaient pas d'émetteur, donc c'était pas évident à les observer. Donc j'ai passé le chant du cagou au magnétophone, à l'aide d'un magnétophone. Et c'est en 1984 à peu près que j'ai vu le premier cagou ici dans le parc. C'est là qu'on a pu constater que le cagou en fait n'était pas du tout farouche. Il venait facilement près de l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai réussi à capturer des cagous et je les ai équipés de bagues de couleurs, de façon à pouvoir les identifier. Et à partir donc de ce moment-là, j'ai suivi 6 couples de cagous qui étaient tous équipés de bagues de couleurs. Jusqu'en 1987, où alors là, j'ai pu avoir des émetteurs. Et là, donc, ça a été beaucoup plus facile de les suivre puisque les retrouver grâce aux émetteurs. Donc là, ça t'a permis de les suivre, mais qu'est-ce que tu as appris de plus sur le cagou? On a appris que les cagous vivaient en couple permanent, donc c'était des couples qui étaient formés à vie sur un territoire bien précis. Chaque couple a son territoire. Et au bout de quelques années, donc, j'ai pu suivre tous les jeunes issus de chacun de ces couples. Et donc savoir la famille, jusqu'à combien d'individus elle pouvait être composée, et le temps que les jeunes passaient avec les parents, et le temps qu'ils passaient aussi sur le territoire de naissance. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir ici au parc? Ça fait presque 2 ans que je n'étais pas venu dans le parc. Ça fait un énorme plaisir de pouvoir revenir dans le parc et revoir les cagous. Allez, on va essayer d'observer les cagous d'un peu plus près. Ouais. Tu vois, Cédric, je te disais qu'ils n'étaient pas loin. Oui. Regarde, on en a un juste là devant nous. Ah oui. Ah. Là, là, il est en colère, non? En fait, il manifeste sa présence. Mmh. Il nous fait savoir qu'il est là, donc
Mais tu vois, il n'est vraiment pas farouche. Hein. Oui, le cagou est si peu farouche qu'une fois, donc j'avais un couple qui était en train de couver. Et je savais pas si l'œuf était éclos ou non. Et pour le savoir, je suis venu près du nid, je me suis approché, j'ai passé ma main sous le cagou, j'ai soulevé le cagou, j'ai regardé ce qu'il y avait en dessous, j'ai reposé le cagou et je suis reparti. Le cagou a continué à couver tranquillement. Il a rien dit. Il n'a rien dit. Je crois qu'ici au parc, on peut les voir facilement. En fait, ils sont là Oui, près au bord de la route, quoi. Tout à fait. En fait, voilà, bon, on a une piste d'accès sur la vallée de la Rivière Bleue. De part et d'autre, c'est de la forêt dense humide, le milieu de prédilection du cagou. Et c'est vrai qu'avec la population qu'on a aujourd'hui, il est très facile d'observer l'oiseau en se promenant ici dans la vallée. Et justement, cette forte densité amène les cagous aujourd'hui à sortir de la forêt, hein, et s'installer dans le maquis minier. Donc on suppose que la densité était telle en forêt humide que, il n'y avait plus de place et donc ils ont commencé à fréquenter le maquis, alors que ce n'est pas du tout le milieu du cagou. Jean-Marc, là, il est en train de chercher quoi? Et là, tu vois Cédric, donc il passe sa journée à chercher de la nourriture, essentiellement des vers de terre, parce que le régime alimentaire du cagou, voilà, c'est plutôt carnivore. Donc il va consommer tout ce qui est vers de terre, insectes, petits lézards, petits geckos qu'il peut trouver dans la litière et sous la litière. Merci beaucoup Yves pour ce Cédric, moment. ben c'était un plaisir, hein, et puis tu reviens quand tu veux. Olé! Merci Jean-Marc. Merci Cédric, hein, puis au Pour ce plaisir matin. également, hein, Ok. voilà, en espérant que toutes ces informations voilà, Olé. seront utiles pour les générations à venir, que ce travail continue. Pas de soucis, pas de problème. Olé! Et pour vous, vous me suivez. Bonjour Hélène. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Tu vas bien, oui. Oui. Bienvenue dans la Haute Rivière Bleue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Moi, je suis en train de regarder le gardénia, là, tu vois, qui est endémique, enfin, celui-ci est endémique du Sud, hein, parce qu'il y a d'autres espèces. Et le bourgeon terminal, là, quand on le mâchonne, ça fait du chewing-gum. On fait du mastic avec... Ah, autrefois, on faisait du mastic. Ça va, c'est pas toxique. Non, oh, okay. Non, non, c'est pas toxique. Alors, Yann, en venant, j'ai vu pas mal de plantes, oui. Mais je les reconnais pas du tout. Bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va cheminer. Mm-hmm. Puis dès qu'on voit des choses intéressantes, eh bien, on s'arrête et puis D'accord. je t'explique. Ok. Allez. Un petit pandanus. Avec un fruit, pandanus bernardi. Ah oui. Tu vois? Yes. Et beau celui-là. Oui. Oui, Irène, dis-moi, comment ça t'est venu cette passion pour les plantes? Ben, je pense que c'est depuis toujours, parce que déjà dans ma famille, on s'est toujours intéressé aux plantes. Ouais. Puis après, ben, j'ai rencontré Daniel, mon mari. Lui, à l'époque, il était exploitant forestier, il coupait les arbres, mais il aimait beaucoup la nature aussi. Puis après, ben, comme c'était une passion, on a beaucoup fréquenté les botanistes, et c'est grâce à eux qu'on a beaucoup appris. D'accord. Et on continue d'apprendre d'ailleurs, okay. C'est jamais fini. Et ici, dans cette zone, est-ce que tu... Tiens, ben, regarde, là. Tu vois là, des choses ce qu'on que tu... voit, qu'on peut... Ouais. Des Cerberiopsis candelabra, on les appelle des candélabres. Ouais. Puis, si on avance un peu, on va mieux les voir. Alors, ce sont des arbres qui ont la particularité de donner une seule fois des fruits et de mourir après. D'accord. C'est exceptionnel, quoi. Hein. C'est très rare, les arbres qui font ça. Une seule fois et après, ils meurent. Ils meurent. Alors, voilà. On dit qu'ils sont monocarpiques, puisqu'ils donnent une seule fois des fruits. Ouais. Et après, ils meurent. Et ensuite, ils meurent. Là, je vois qu'ils sont... Il y a une belle famille, là, autour de Oui, mais tu vois, il y en a aussi qui sont morts, tu vois. Ah oui, ça y est. Ils ont dû donner... Ceux-là, ils ont... Voilà. Ils ont laissé la future génération. Voilà. Oui. Mais c'est vrai bon. Qu'ils se reproduisent beaucoup, beaucoup avant de mourir. D'accord. Bon, un peu obligé, quand même, hein. Ah ben oui. Ok, bon. Je te tiens la main, au cas où. D'accord.
C'est bon, il est bon pour moi. C'est beau là. Là, on a un beau point de vue. Ouais. Là, on a plein de jeunes kauris qui sortent de la forêt. Ici, là. Mmh. Joli, hein. Mmh. Là, tu as un houppe, un montrosier à gabrielé. Il fait des très grosses fleurs rouges. Mmh. Puis là-bas, au fort, regarde la ligne de crête avec tous les araucarias dessus. Yes. C'est magnifique. Et ça, c'est la vallée de la rivière Bleue. Oui, c'est une partie. Une partie. Parce que c'est vaste. Mmh. Ça va, petit truc, bouf, ça glisse. Ça va, ça va. Ben là, on prend la bifurcation qui va nous emmener voir le Parasitaxus. Bon, alors Cédric, à partir de là, je te laisse se chercher. D'accord. Regarde bien. Alors, c'est pas très haut, hein. Ok, ok, mais comme je l'ai jamais vu, quelle forme? Une petite plante, ouais. Couleur bordeaux. D'accord. Couleur bordeaux. Oui. Ok. Ouais. Regarde bien. Cédric. Oui. Tu y es presque. D'accord. Voilà. Waouh. Ok. Tu vois un peu? Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais... C'est extraordinaire. Feuille. En fait, c'est le seul conifère au monde qui parasite un autre conifère. Toujours le même. Celui-ci, là. Qui s'appelle le Falcatifolium. Qui fait, lui, un grand arbre. Mais moi, je pensais qu'il était sur le tronc. Sur les racines. Ah, quelquefois, ça arrive, hein, ça arrive que tu aies un Parasitaxus, ouais, qui sorte du tronc. D'accord. Du Falcatifolium. On en a fait, nous, déjà des photos. Et quand il fructifie, il a des cônes qui sont bleus. Là, malheureusement, on n'en a pas. Mais tu vois, avec la couleur bordeaux, c'est magnifique. Donc les cônes, c'est bien les graines. Oui. Okay. Oui, pour les conifères, on dit des cônes. Des cônes. Est-ce qu'il y a d'autres spécimens sur le site? Alors, sur ce site-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on va dans le fond de la rivière Bleue, il y a un endroit où on peut compter plus d'une centaine de Parasitaxus. Et il est que en Nouvelle-Calédonie? Ah oui, ça c'est unique au monde. Hein. C'est le genre, il est calédonien. Okay. Et dans le genre, il n'y a pas d'autres. Et d'ailleurs, les botanistes du monde entier, quand ils viennent en Nouvelle-Calédonie, si on leur montre un Parasitaxus, pour eux, c'est la cerise sur le gâteau. Et pourtant, ça a été aussi la cerise sur le gâteau quand tu l'as découvert? Ah ben, c'est évident. La première fois que j'ai vu ça dans les forêts des Zumac qui se trouvent au-dessus de Dambéa, tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Et puis après, ben, tu cherches. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait. En arrivant, je cherche dans les bouquins. Mmh. Puis là, ben, j'ai appris que c'était une plante très rare, parasite d'un autre conifère. Ben, c'est merveilleux, quoi, quand tu fais des découvertes comme ça. À part les arracher, bien sûr. Ah non. Alors là, c'est précieux. Mmh. On les regarde, on n'y touche pas, on les admire. C'est beau, la là. C'est beau, hein. C'est malheureux qu'il fait froid. C'est ça. Ouf, magnifique. Ça va, Cédric? Un bel endroit, oui, ça c'est va. C'est beau, là. Oui, c'est très beau. Alors, Cédric, ça t'a plu? Bien, parfait. Bon. C'est bien alors. Merci de m'avoir fait découvrir les trésors cachés du parc de la rivière Bleue. Mm-hmm. Voilà. Ben, c'est un plaisir partagé. Moi je vais continuer, mais avant ça, je vais te faire la bise. Au revoir Cédric. Et je te dis encore merci. Allez, tata. Plaisir de te revoir. Bon, Cédric. Ça va bien. Passé un bon moment? J'ai passé un bon moment avec Irène. Il est trop grand le parc. Hein. Avec l'immensité, oui. C'est ça. Elle va être 2000 hectares. Bon, c'est pas fini. J'ai d'autres choses à te proposer, à te montrer. Je t'invite à poursuivre. J'en ai d'autres à te présenter. Ok. Et donc là, nous allons traverser le Pont Pérignon. Le Pont Pérignon. Donc, qui est un élément du patrimoine inscrit à la province sud, et donc qui a aujourd'hui plus d'un demi-siècle. Un demi-siècle, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. À l'origine, comment tu avais là où on est, c'était du maquis.
Et parce qu'on envisageait en 1900, dans les années, la fin des années 50, on envisageait de créer un réservoir d'eau artificiel. Donc la société forestière Pérignan, l'ayant su, a commandé ce pont. Et comment ils ont pu construire un pont de ce type à l'époque ? Eh bien, c'était déjà, on n'avait pas d'eau, donc puisqu'on était sur le maquis, c'était avant la mise en eau du lac. Donc, eh bien, tout simplement, ils ont d'abord rapporté des troncs, des billes de bois. Donc la première phase a été d'installer une charpente en bois pour permettre de lever les billes de bois qui étaient toutes originaires de la région. Donc c'est essentiellement du chêne gomme, donc de grandes longueurs de chêne gomme. Ils ont fait des avant-trous, là où ils allaient pour mettre le pieu, si tu veux, ils ont fait un avant-trou. Ensuite, avec une charpente en bois, une structure en bois, ils ont relevé la tige de bois, mise dans l'avant-trou. Ensuite, ils ont utilisé la charpente en bois qu'ils avaient fait pour relever la pièce de bois, pour monter une masse, donc un bélier. Donc, ils remontaient une masse à la force humaine et arrivé en haut, ils la lâchaient pour battre le pieu au fur et à mesure, jusqu'au moment où le pieu refusait de rentrer. Et là, donc, ils coupaient la tête du pieu et ensuite, ils ont réinstallé une charpente en bois pour installer les poutres longitudinales, les poutres transversales et ensuite tout le platage. Et c'est qui l'a construit ce pont ? Alors le pont, il a été construit par Monsieur Chantreux, qui était charpentier de marine. Donc c'est quelqu'un qui avait la connaissance des structures en bois de grande hauteur avec des contreventements et installé pour résister dans l'eau. Et on suppose que c'est pour ça que la société Pérignan le lui a commandé. Et l'équipe avec laquelle il a travaillé, il a recruté en fait des personnes de la région, donc des Mélanésiens qui étaient originaires de Yaté. Et il y avait aussi des gens des îles Loyauté qui étaient dans l'équipe. Okay. Et j'ai vu qu'à l'entrée du pont, sur une petite pancarte, qu'il est interdit de circuler en voiture. Oui, comme on est sur un vieil ouvrage, un monument, et qu'on souhaite le préserver, pour pouvoir lui rallonger sa durée de vie d'une part, et surtout de préserver sa structure, on évite totalement de lourdes charges circulant dessus, d'où la circulation qu'à pied, ou à VTT, mais pied à terre pour des raisons de sécurité. Et là, tu m'emmènes où ? Là, je vais maintenant t'accompagner à l'Arboretum, où on t'a réservé une petite surprise. Bon, ok. Je suis. Donc là, nous sommes à l'Arboretum de Wenaru. Mm-hmm. Donc, ce que tu as devant toi, en fait, c'est une collection que nos anciens ont débuté il y a plus de 30 ans aujourd'hui et donc qui représente en fait une collection d'une majorité de pins colonnaires, donc des Araucaria de Nouvelle-Calédonie et des agatis, donc les kauri. Donc c'est aujourd'hui une opération qu'on mène, c'est de compléter la collection donc des anciens en apportant d'autres conifères endémiques de la Calédonie qui vivent sur des terrains ultramafiques. Et puis, ben voilà, celui qu'on t'a réservé, c'est Neocalitropsis pancheri. Tiens, ça me dit quelque chose. Voilà, que tu as rencontré déjà à Bon Secours, au Palmetum. Ce que je te propose, c'est d'en mettre un en terre. Et comme ça, tu auras un de tes filleuls ici. Ok. Voilà. On y va ? C'est gentil. Oh, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Marc. Salut Cédric. Ça va ? C'est bon. Bonjour Sylviane, ça va bien ? C'est bon. Donc là, c'est toute l'équipe que tu as côtoyée pendant tout ton séjour, toutes tes aventures. Ici. Donc voilà le tien. C'est un plant qui a 5 ans, donc il a été élevé en pépinière, donc il est vraiment de très très belle venue. Ensuite, on va passer avec l'appel pour Yannick, tu peux nous voir ? Merci. Olé, merci Yannick.
Voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis ici au Parc provincial de la Rivière Bleue. Sachez que si vous voulez revoir nos émissions, un site internet, c'est le www.nctv.nc. Quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine aventure. Allez, tata! Parfois, sur les lieux de tournage, il nous arrive des choses extraordinaires qu'on ne peut pas contrôler. Je vous laisse regarder. Ouais! Hey, il y a un paracord là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Directeur du parc. Pour NCTV quand même. Si, c'est sûr.